Matthieu 5, mstari wa 17, 7e verset. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Musizania kama nilikuwa kutangua sheria wala manabii. Je suis venu non pas pour abolir. Sikuja tu kuitangua. Mais non pas pour abolir. Eh oui, c'est ça. Aina tu ya kuyaribu. Très bien. Mais pour accomplir. Lakini tu ya kuitimiza. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli ninawaambia. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Mpaka mbingu na nchi ipite. Pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi. Hakuna hata nukta moja ya sheria. Ne passera. Inaweza kupita. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mpaka mambo yote ipate kufika. Biblia inasema masa. Shukuru magharibi ya leo. Sababu tunaamini kusema wewe ni Mungu. Wakati unasema neno moja inabakia vile itatimisika. Amen. Ili juu nafanya que tukuamini. Mtu yote onekane kuwa wa bongo, meweye uko ule anasemaka kweli. Maneno yetu tunaamini ilitangulia kusemewa. Bile shi tupate kwa paidunia na batumisha kwa manabii. Miaka ilipita, petetele bantu menye barishike ile masauti mile wakati abakuwe zuku yako. Mesavile uko Mungu wa masauti yako. Uko mwenu kwa liye kwa masauti yako. Misivalizikwa mudongo na matumaini ya kusema ile wa Mungu rilaka. Mwakati ilienea ilitimizika. Na wakati ilitimizika ile kintu, ilikuwa ni uvuto mmoja munene sana sababu ilikuwa ni wewe Mungu mkubwa unatimiza neno ya unabii. Alors kwetu shie ni assurance, ni furaha munene juu tukunaishi mwakati mule rutulaka kurudi kwako. Ni neno lako Mungu mzima, manabii itangaza avant que bantu pate kwa pai dunia Seigneur itatimizika. Sababu kwa atante ya mingi chule kitu. Tuko hapa njoo kushikia masauti ya unabii. Ubariki chombo utakapotumia. Merci kwa majibu uliweza kuletea batoto yako. Ainsi tunakurekomande marekete mbalimbali, bagonjwa ubatunze sasa. Bata safiri uone bakia mchungaji. Kwa pamoja na sisi mwanzo hata mwisho mwa Yesu Kristo. Amen. Tunalika mtumishi wa Mungu. Njoo kushikia sauti ya Mungu.
Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Nous saluons chacun de vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour nous aujourd'hui, c'est encore une journée exceptionnelle. Vous savez que notre Dieu ne se préoccupe pas seulement pour nous pour des choses spirituelles. Il se préoccupe aussi pour des choses charnelles. S'il y a la pluie aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que nos produits champestres puissent bien pousser. Alléluia. Pour cela, que son nom soit glorifié. Nous pouvons dire que vraiment, ça c'est quelle journée. La pluie ne vient pas de Satan. La pluie vient de Dieu. Et lorsque Dieu nous envoie la pluie, la pluie ne peut pas retourner à vide à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Il faut le louer pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Sans toutefois perdre le temps, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons toujours dans Matthieu chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'à son 11e verset. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ta miséricorde et pour ta bienveillance envers nous. Tu as permis à ce que nous soyons dans ta maison, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Nous nous effaçons de la scène afin que toi-même, Seigneur, tu puisses prendre ta place au milieu de tes enfants et que tu puisses parler au cœur de chacun de nous. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, et nous prions avec foi. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ici. Amen. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples et en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Kama munasema Bwana anamhitaji huyu mwana wa mpunda, pale pale atemwacha na mtaenda, ase mzuru tena, atemwacha na kwenda. Si quelqu'un vous dit quelque chose, verset 3, kama mtu ananiambia kitu fulani, vous répondrez: utamjibu, le Seigneur en a besoin, Bwana anamhitaji, et à l'instant na pale pale il le laissera aller, na atamwacha kwenda. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jauchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Hosanna, mwana wa Daudi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe ule na kuya mujina ya Bwana. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna mumali ya juu kabisa. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, wakati balingia mu Yerusalem, toute la ville fut émue. Muji yote ilishikwa na woga. Et l'on disait: na alikuwa anasema, qui est celui-ci? Ni nani huyu? La foule répondait: undi kajibu. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Nabii wa Nazareth ku Galilaya. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir, mes bien-aimés frères. Nous continuons toujours avec la prédication. Quelle attraction sur la montagne. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il vous donne un bon attendement de la parole et qui me donne aussi l'occasion de parler que la parole de Dieu. Alléluia. N'aie pas mélangé mes idées, parce que toute parole d'homme sera un jour éprouvée. Et si j'ai parlé mes paroles, un jour je serai trouvé menteur et je rendrai compte pour cela. C'est pourquoi je vous prie, mes bien-aimés frères, même lorsque vous venez à l'église, priez aussi pour les hommes de Dieu, afin qu'ils aient la possibilité de vous annoncer uniquement la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu contient la vie. La parole de toute personne, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, qu'il soit riche ou pauvre, qu'ils aient combien de titres, la parole d'un homme va pétuer. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, je vous prie en tout cas, même là où vous êtes, de prier pour moi dans vos cœurs, afin que je ne puisse pas mélanger mes paroles à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu hier, nous aujourd'hui nous continuons à voir quelle attraction y a-t-il sur la montagne. Là à la montagne, qu'est-ce qu'il y a d'important qui a attiré ton attention? Alléluia. Ça c'est une grande prédication. Jésus-Christ, qui était Dieu, qui savait que chaque prophétie doit s'accomplir, il a pris le chemin pour aller à Jérusalem. Et avant d'arriver à Jérusalem, il devait d'abord prendre les écritures les concernant. Parce qu'aucune prophétie de l'Ancien Testament ne pouvait rester en suspense. Alléluia. Jésus qui était Dieu et qui savait ce qu'il attendait là où il allait, il allait à la fête de la Pâque. Et c'était sa dernière visite à Jérusalem. Il savait tout ce qu'il attendait là-bas. Et c'est à la Pâque que les Juifs immolaient l'agneau et comprenaient le sang qu'on mettait dans les propitiatoires pour l'expiation du peuple. Alléluia. Et Jésus qui était déjà cet agneau, et lorsqu'il allait là-bas, il était déjà prêt, parce qu'il était l'agneau qui a été lavé par Jean-Baptiste. Alléluia.
Lorsqu'il est allé au Jourdain, wakati alienda ku Yordan, il a été lavé par Jean-Baptiste. Bali munaosha kuku Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste a dit, Yohana Mbatizaji, moi je ne suis pas digne, mimi si stahili, de te baptiser toi. Yakosi kubatiza wewe. Mais qu'est-ce que Jésus avait lakini répondu? Lakini nini Yesu alijibu? Jésus avait dit que Yesu alisema, accomplissons toute la loi. Utimizeni sheria yote. Jésus en tant qu'agneau, Yesu sawa mwana kondoo, il devait d'abord être lavé, alipashi mbele kuoshwa, avant d'être présenté sur le propitiatoire, mbele ya kumuonyesha kumaozabao. Alors lorsque Jésus allait à Jérusalem, na wakati Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu, il savait tout ce qu'il attendait là-bas. Alijua vile vyote alikuwa anamchunga. Alléluia. Maintenant, lorsque Jésus, sasa wakati Yesu, est arrivé à Bethphagé, alifika ku Bethphagé, et le prophète dit que, na nabii anasema, cette journée était une journée très mouvementée pour ile Jésus. Siku ilikuwa siku moja kivukutu ndio Yesu. C'était une journée fatigante. Ilikuwa siku ya kuchokesha. Une journée exceptionnelle. Siku ya upekee. Mais Jésus, lakini Yesu, envoya ses disciples, akatuma wanafunzi wake, pour aller chercher l'agneau, ndio kwenda kutafuta mwana kondoo. Jésus, Yesu, ce qu'il cherchait là-bas, c'était que Zacharie 9:9 s'accomplisse. Ilikuwa kusema Zacharia 9 mstari wa 9 itimilike. Alléluia. Lisons d'abord Zacharie chapitre 6. C'est Zacharie chapitre 9. Zacharia sura 9. Zacharie 9:9. Zacharia 9 mstari wa 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Bakubebe na shangwe mwana wa Sayuni. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Toa malalamiko ya furaha mwana wa Yerusalemu. Voici ton roi vient à toi. Angala mfalme anakujia. Il est juste et victorieux. Eko mwenye haki na wa ushindi. Il est humble et monté sur un âne. Eko mnyenyekevu na anapanda juu ya mwana punda. Sur un âne. Juu ya mwana punda. Le petit dinanes. Mtoto wa ngamia. Alléluia. Cette écriture. Hii andiko. Les prêtres de cette époque-là, ba prêtre ba les, wakati, les sacrificateurs en ces temps-là, ba les ba kuani ba les wakati, ils lisaient ça dans leurs églises. Ba likuwa nasoma hivi makanisa yabo. Ils lisaient cette écriture dans les temples. Ba likuwa nasoma hii andiko maekaru. Et les scribes qui étaient les docteurs de la loi, na ba les bandishi ba likuwa balimu wa sheria, ils pouvaient expliquer ça selon leur compréhension. Ba liwezi kufasiria hii kufatana na kusikia kwao. Alléluia. Mais Jésus qui était la parole, lakini Yesu mwenye alikuwa neno, il devait d'abord prendre cette parole, alipashi kwanza kubeba hii neno, la parole écrite, neno yenye kuandika, et il devait accomplir ça en sa personne, na alipashi kuitimiza juu yake. Alléluia. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Sijui kama kanisa iko nami. Alléluia. Je reprends. Narudia. Jésus, Yesu, qui était la parole, ndiye alikuwa neno, il devait prendre cette parole écrite et l'accomplir afin que cette parole écrite devienne une parole manifestée. Alléluia. Il y a la parole écrite et la parole manifestée. La parole manifestée, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais nous sommes la manifestation de la parole écrite. Et la manifestation de la parole écrite, c'est Jésus-Christ. Et la parole manifestée. Alléluia. Amen. Il y a une grande différence. Huko utofauti kubwa katikati ya neno yenye kuonyeshwa et la manifestation de la parole. Na kuonyeshwa kwa neno. Alléluia. Nous sommes la manifestation de la parole. Sisi tuko kuonyeshwa kwa neno. Mais Jésus-Christ, lakini Yesu Kristo, était la parole manifestée. Alikuwa ni neno yenye kuonyeshwa. La Bible nous dit que, Biblia inatonesha, au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa neno. Cette parole qui était au commencement, ile neno yenye alikuwa ku mwanzo, c'est la même parole, ni neno moja moja, qui a été faite chair. Ile ilifanyika mwili. Et cette parole, na ile neno, lorsque elle a été faite chair, wakati ilifanyika mwili, il est manifesté devant nous. Il y onyeshwa mbele yetu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ça entre. Si tu veux kama bikuna ingia. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Ce qui enseignait sur cette parole écrite. Ile walikuwa nafundisha pa hii andiko yenye kuandika. Lorsque cette parole fut manifestée, wakati neno ilionyeshwa, ils ont rejeté ça. Bali tupa. Alléluia.
Il prêchait sur Zacharie chapitre 9 verset 9. Alikuwa anahubiria Zakaria sura 9 mstari wa 9. Il prêchait là-dessus. Na alikuwa anahubiri pale juu. Ils expliquaient selon leur compréhension. Balikuwa anafasilia kufuatana na kuelewa kwao. Mais cette parole a été manifestée. Lakini wakati neno ilionyeshwa. Ils ont rejeté cette parole. Balitupa ile neno. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est monté. Wakati Yesu alipanda. Sur les petits dinanes. Juu ya mwana lorsqu'il descendait à Jérusalem. Wakati alikuwa anashuka ku Yerusalemu. En voyant seulement la ville. Mukoona tu muji. Jésus a pleuré sur Yesu la ville. Yesu alilia juu ya muji. Lisons. Tusome. Luc chapitre 19. Luka sura 19. Nous sommes différents des théologiens. Tunachana na watheolojia. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils comprennent la Bible. Si tu es namu nakarima na kwaka naelewa Biblia. Les théologiens modernes. Mana théologia ba leo. Ce sont les mêmes qui étaient dans l'Ancien Testament. Ni bale balikuwaka mwagano la kale. Alléluia. C'est le même esprit qui animait ces de cette époque-là. Ni le romo alikuwa na ngoza bale ba zamani. Le même esprit là. Ni le romo moja moja. Les théologiens aujourd'hui. Iko natumikisha tena ba na théologia ba leo. Ils ne voient pas la manifestation de la parole. Abaone kionyesho kya neno. Zacharie chapitre 19. Zacharie sura 19. Luc sura 19. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous commençons au verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisi de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel salama kumbingu, et gloire dans les lieux très hauts. Na utukufu kumali ya juu kabisa. Quelques pharisiens. Banafunzi ba farisayo fulani. Alléluia. Amen. Quelques pharisiens. Ba farisayo fulani. Dix milliers de la foule. Bale walikuwa katikati ya kundi. Dire à Jésus. Bakambia Yesu. Maître. Mwalimu. Reprends tes disciples. Fokea banafunzi yako. Parce qu'ils font beaucoup de bruit. Mana bako nafanya makelele sana. Écoutez la réponse de Jésus. Sikia jibu ya Yesu. Il leur répondit: akajibu, je vous l'ai dit, na miambia, s'il s'était kama bana ikala kimia, les pierres crient. Si toi aussi, kama wewe nawe, au moins en ces
jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, asasa, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. Amen. C'était le jour où le Seigneur visitait Jérusalem. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas reconnu leur jour. Le jour où le Seigneur les visitait. C'est pourquoi le prophète a prêché le message qu'il a intitulé Reconnaître le jour et son message. Si vous reconnaissez votre jour, vous allez aussi reconnaître les messages que Dieu vous envoie. C'est ça être dans la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est reconnaître les jours que le Seigneur te visite. Alléluia. Jésus dit aux habitants de Jérusalem, si au moins toi, à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, mais aujourd'hui, ils sont cachés à tes yeux. Les choses qui appartenaient à la paix des enfants d'Israël étaient toujours là, mais ils étaient cachés à leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu les jours que Dieu leur avait visités. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans les jours que le Seigneur nous a visités. Parce que nous avons reconnu le message de l'air. Et ce message est pour une grande attraction. Ce message nous attire. Alléluia. Mes bien-aimés frères, ça c'est très merveilleux. Il faut reconnaître votre jour. Si vous ne reconnaissez pas votre jour, les choses qui appartiennent à votre paix seront là, mais seront cachées à vos yeux. Alléluia. La Bible nous dit, ceux qui n'avaient pas reconnu Jean-Baptiste, ils avaient manqué de reconnaître leur Messie. Les enfants d'Israël attendaient la venue du Messie. Ils prêchaient sur la venue du Messie.